La recette de l'amour, c'est... C'est le rire. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Les oreilles de ma fille, les otites. Les otites perforées. Si vous pouviez changer de peau, si vous pouviez, changer. Vous seriez qui ou quoi? Si vous pouviez changer de peau. Ah, je serais un tigre. Ah, pourquoi? Oh, parce que déjà ils sont très majestueux et parce qu'ils ont peur de rien, je crois. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? que je suis drôle. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou, de plus incroyable pour quelqu'un, Ophélia Kolb? Qu'est-ce que j'ai fait de plus incroyable pour quelqu'un? J'ai accouché. La plus belle qualité humaine pour vous? Être drôle, l'humour. Je parle que du rire, c'est horrible. Non, ça vous va très bien. Vos trois grands plaisirs du moment? Jouer sur scène, le lettre d'une inconnue. Manger des très bons plats qui ne sont pas cuisinés par moi parce que je cuisine vraiment très 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 mal. Donc on me cuisine des choses. Et le troisième plaisir, en ce moment, lire. Votre surnom, Ophélia? J'en ai plusieurs. Vos surnoms? Ophish. Ça, c'est ma famille en Turquie qui m'appelle Ophish. Voilà, comme un poisson. Ophish, c'est le principal, on va dire Ophish. Votre philosophie de vie? Oh là là, j'en ai pas qu'une. Là, tout de suite, comme ça. Celle qui vous vient à l'esprit? Que tout passe. Tout passe, ça c'est beau. Votre prochain rêve à accomplir? J'en ai des milliers. J'aimerais voyager plus quand même. Ok. Le dernier mot, ou bien... la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Avant de mourir. Je sais, c'est dur. C'est très dur. J'ai bien ri. Ah. Et on rit avec vous. On va continuer d'ailleurs tout de suite avec notre émission qui continue et nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, c'est donc la séquence auditeur avec vous, Ophélia Kolb. Et j'ai reçu 4 questions pour vous, voire 5. La première, c'est quel est votre rôle rêvé? Que j'ai pas encore joué? Que vous avez pas encore joué. Ou si vous l'avez joué, bien entendu. Mais... celui qu'on m'écrira, qui n'est pas encore écrit. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez jouer? Le rôle d'une grande méchante ou... Ouais, une grande méchante, complètement. Une grande méchante. Ah ouais, carrément. Parce qu'on a du mal à vous imaginer dans ce rôle, mais ça peut être un vrai challenge. Non, mais j'en ai joué une au théâtre en sortant de l'école. J'ai joué une fille très 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 méchante et c'était génial. C'était un pur bonheur. Parce qu'en fait, comme le plateau, que ce soit le cinéma ou le théâtre, c'est vraiment des endroits où on peut se permettre des choses qui sont interdites dans la vie. Donc c'est là où tout est permis et il peut rien nous arriver. Donc c'est génial. Une autre question pour vous. Votre meilleur souvenir de carrière et peut-être dans 10%. Ah, alors donc un souvenir dans 10%. J'ai adoré j'ai adoré tout ce que j'ai fait dans 10%, parce que vraiment j'ai une partenaire de jeu, Camille Cotin, parce que je joue mes scènes principalement avec elle, qui est dingue, qui est C'était une des questions, incroyable. Est-ce que Camille Cotin est sympa? Ah, mais c'est plus que ça, elle est très très généreuse, elle joue avec nous, en tout cas il y a une vraie écoute et elle rebondit sur tout ce qu'on propose et elle propose elle aussi. Non, c'est sublime, j'ai beaucoup de chance de tourner avec elle. Et donc, une anecdote en particulier qui vous a marqué, peut-être sur ce tournage, un moment de fou rire, un moment incroyable? Non, on n'a pas eu beaucoup de moments de fou rire. Il y a deux moments que je peux raconter. Il y a le moment de l'accouchement de Camille dans l'agence, de Andrea, donc, qui accouche. Et donc, c'était mon premier jour de tournage sur cette saison-là. Donc, les autres avaient déjà commencé à tourner depuis quelques temps. Et moi, c'était mon premier jour. Et je suis arrivée, il fallait se remettre dans le personnage. Remettre dans le personnage, ça ne veut rien dire. Mais il fallait retrouver en tout cas l'équipe, etc. Et à la première prise, j'étais tellement émue de l'avoir accouchée que c'est des vraies larmes qui ont coulé. J'étais complètement comme si c'était vraiment Camille qui accouchait. J'étais vraiment très, très, très investi. Et donc Camille produit cet effet quand même sur moi, parce qu'il y a une scène où on devait danser et on devait s'embrasser. C'était surtout Colette qui devait un peu venir embrasser Andrea et tout pendant qu'on dansait, et je l'ai tellement embrassée que le réalisateur me dit: Ophélia, mollo là, calme-toi un peu, parce que j'étais trop investie encore, quoi. C'est génial. Est-ce que c'est pas dur d'embrasser une femme finalement? Non, pas du tout. Non, une femme, un homme, c'est des... Non, ça non. S'est fait naturellement. Oui, oui. Une autre question, et puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, de Corinne, ce rôle dans L'être d'une inconnue, est-ce qu'il vous a réconcilié avec votre histoire d'enfance, votre histoire passée?
Ah, j'ai pas été fâchée avec cette histoire, donc il n'y a pas de réconciliation. Ça me bouleverse un peu de retourner dans ces années-là et d'y repenser et d'en parler là à des gens que je ne connais pas. Mais non, s'il n'y a pas de réconciliation, parce que j'ai jamais été fâchée. Est-ce que ce sont des vraies larmes que vous faites couler sur scène? C'est-à-dire, est-ce que je me mets des produits? Vous me voyez sur le plateau, je suis pas en train de me mettre des... Non, bien sûr, mais quand on vous voit au théâtre, pour moi qui suis venue vous voir dans L'être d'une inconnue, vous pleurez à plusieurs reprises. Oui. Et cette question était naissante et elle est restée tout du long, c'est est-ce qu'elle pleure vraiment? Ou ce sont des vraies larmes? Ou est-ce qu'il y a... Eh ben, en fait, comme j'ai... on me fait beaucoup pleurer dans les rôles que je fais à la télé, au cinéma, au théâtre. Je joue très très souvent des rôles où je dois pleurer quand même. Et donc j'avoue que c'est quelque chose que je sais faire assez facilement. Ça me demande pas beaucoup d'efforts de faire monter les larmes. Donc après c'est souvent le texte qui me fait pleurer, ce qu'il dit, ce qu'il évoque en moi. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher très loin. C'est le texte en fait qui me fait pleurer. Donc c'est naturel. Merci beaucoup Ophélie Jacob d'avoir répondu à nos auditeurs sur l'antenne de Radio J.